Bonsoir à tous, nous prenons l'antenne en direct pour une rencontre au sommet qui s'annonce géniale. Bonsoir Christian, j'ai un peu en retard, c'est les stadiers, ils m'ont pas laissé passer. Aujourd'hui c'est un match de ouf. Oh, je vous dis, les portes sont fermées de partout, les joueurs sont concentrés comme des malades, on va assister au match de l'année. Les deux équipes sont sur des chardons ardents pour cette finale. Laissez-moi vous dire que l'ambiance est ici très très chaude et je suis persuadé qu'on va avoir droit à un très grand football. La finale de la Ligue des Champions, dans une carrière, c'est un moment magique, un moment unique. Alors bonne chance à tous. Pas de changement tactique au niveau de la formation, c'est un 4-5-1 très solide avec une seule pointe devant. Le contre, c'est l'arme fatale. Encore une occasion de centrer. C'est une bonne touche, mais il faut s'appliquer. Gardien. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Jouer à la rémoise. C'est pas cadré sur la passe à gauche. Et quand tu veux marquer d'entrée, c'est le meilleur moyen d'attaquer un match. La balle change de propriétaire. Marquez. Iniesta. Oleguer. Bon retournement de situation, il a le ballon. Oh, il y aura peut-être but. On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. C'est un ballon gagné. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Encore une belle occasion. Quelle erreur de la défense, c'est dangereux. Oleguer. Ils peuvent construire quelque chose. Et oh là là, c'est au fond du filet. Quel début de match catastrophique. J'en connais un au bord de la touche qui doit être vert. Ça, c'est le but typique de l'attaquant. Efficacité et sens du but. Arrivée de la race des snipers. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception.
Ils ont ouvert la marque, 1-0. Là, je peux vous dire que l'entraîneur, il va avoir le goût quand il va rentrer au vestiaire. Hein. Son équipe, relancer le match, va être obligé de remettre les choses à égalité. Sinon, il risque de s'enfoncer encore plus. L'attaque est stoppée, ça ne donnera rien. Elle est énorme, cette occasion. Vont-ils être à égalité? Oh oui, c'est dedans! Superbe égalisation! On assiste à une rencontre absolument passionnante! Et on a déjà droit à deux buts! Et Christian, vous avez vu ce but? Oh là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a qu'à regarder. Et écoutez ce stade, c'est merveilleux! Que c'est beau de voir ces gens chanter! Le score est maintenant de 1 partout. Voilà, ça c'est inscrire un but égalisateur au meilleur moment. Là, ça va les pousser. Je pense qu'ils vont prendre tous les risques avant le coup de sifflet final. Keïta. Belle passe. La défense est solide. Ce contre peut amener très loin. Le joueur frappe. Dégagement des points, corner. Ce ballon est bien haut. Encore une occasion de centrer. Dégagé. Il va tenter sa chance. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Et l'entraîneur et les joueurs se prennent la tête. Hein. Il a croyé déjà dedans. Sans problème, beau contrôle. Il reprend le ballon. Il ne peut pas la rater. Le goal ne parvient pas à bien saisir le ballon. Oui, encore un. Encore un. Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué. À mon avis, si le gardien attend tranquillement que le ballon arrive, il ne vaut pas le faire avec ce genre de joueur. Au moins, maintenant, il le sait. Seulement un but sépare les deux équipes. Voilà, là ils ont eu un bel état d'esprit. Ils n'ont pas baissé les bras après l'égalisation. Ils ont su revenir dans la partie, remarquer un but. Maintenant, est-ce qu'ils vont refaire la même erreur? Il ne lâche rien et monte vers les buts. Ils peuvent construire quelque chose. Il va peut-être marquer. Ah, bien joué, c'est dedans. C'est dedans, il n'y a rien à dire. La défense était vraiment aux abonnés absents. Et il a été tellement vite de son pied droit que le gardien n'a rien vu passer. Et que moi, je n'ai même pas eu le temps de le commenter. Quel match, deux buts de chaque côté, et à mon avis, on devrait en voir deux. Là, c'est sûr que ça va rendre le match un peu plus intéressant. On savait que l'entraîneur qui vient d'encaisser le but pensait que cette avance allait être importante, mais il savait aussi que le talent d'en face pouvait faire la différence. Allez, ça va donner du fil à retordre aux adversaires.
Une défense intraitable, superbe. Henri. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Iniesta. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Pour Henri. Nous avons atteint la 15e minute de la première mi-temps. Keita. Cela pourrait bien tout changer. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Et je peux vous dire, c'est pas le genre d'occasion qui manque en général. À mon avis, il a joué un petit peu trop facile. Keita. Et Marquez. Oh, ce contre, il me semble bien mené. Le dernier face à face. Repousser des points. Et il marque. Il marque. Ce but leur permet de reprendre l'avantage. Bien joué. Bon, on a vraiment senti que le ballon lui avait échappé de nous. Oh, il a mis les cartes de sol et de sa femme. C'est pas possible. Il a offert un cadeau à mort à l'adversaire. Deux buts au cours de cette compétition, c'est vraiment bien. On est en train de découvrir ce joueur. Ils ont un but de retard, mais c'est pas terminé. Bonne interception, on peut relancer. Pour Iniesta. C'est super dangereux, il peut marquer. S'il marque sur ce corner, il pourrait maintenir la pression. En plein cœur de la surface. Quel mauvais dégagement. Attention, il frappe. C'est pas un tir mauvais, mais c'est pas vraiment cadré. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes à me tuer en voilà. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Il décoche un tir. Le ballon est détourné. Corner. En plein milieu de la surface de réparation. C'est maintenant une remise en jeu. Bon ballon. Il tire. Un peu trop dévissé à droite. Bon, là, c'est vraiment dommage parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Peuvent construire quelque chose. Que va-t-il faire? Très belle intervention. C'est pas fini, ça peut revenir. Du pied, dégagement sûr. Le portier détourne en corner.
C'est un tir brossé. C'est trop approximatif. Attention à la défense. Joli duel. Le ballon est gagné. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Il essaie d'y arriver. Pas mal, mais ça manque de précision. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément. Il a voulu battre le gardien, mais il a quand même pas trop cadré son tir. Nouvelle interception. Il doit tromper le gardien. Le gardien relâche le ballon. C'est un ballon gagné. Attention, c'est parti très vite. Va-t-il marquer? Il décoche un tir. Frappe puissante mais sans précision. Comment il a fait pour atteindre tel but? Il avait fait la différence. Il se trouve en face à face avec le gardien. Il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Keita. Pour Henri. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Pas moyen de passer cette fois. Au second, il me semble bien mené. Il peut provoquer le gardien. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Iniesta. Presque 30 minutes écoulées. Pressing super efficace. Eto'o. Iniesta. Xavi. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Un but! Oh oui! Oh que c'est bien joué! Franchement, les défenseurs ne pouvaient rien faire. Ils ont désormais deux buts d'avance. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette action? Oh, il a frappé, il a accéléré, il a marqué un but splendide. Et si celui-là ne rentre pas dans le top but de la PES League, je le fais curer. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Buts marqués, mais ils auront toujours deux de retard. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Ils ont de l'avance et la possession du ballon. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. C'est une énorme occasion. Bien joué ici. Belle combinaison. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer.
Premier changement de ce côté-ci. Peut-être que l'entraîneur veut tout simplement savoir si son remplaçant est aussi performant que lui. Chavi, directement dans les gants du portier. Pressing super efficace. Bien joué de la part de la défense. Iniesta. Bien joué ici. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Il entre, balle au pied dans les 16 mètres. Et ouais, bien sûr que oui. Et ils ont 3 buts d'avance. Qu'est-ce qu'ils sont en forme aujourd'hui. Ça, c'est le remplaçant idéal. Il rentre, il ne se pose pas de questions. Un ballon, un but. Ça, c'est de la star. Leur sera-t-il possible de remonter cela? Ça, c'est un changement qui a fonctionné à merveille. Ça, ça lui donnera une place de titulaire le prochain match. Certains pensent qu'il la mérite déjà. Attention, le ballon a été perdu. Dégagement. En jeu, aucun doute là-dessus. Encore une belle occasion. Ça peut être extrêmement dangereux. La domination est outrageuse, c'est impressionnant, de la passe à 10. C'est bien de la part des défenseurs. Keita. Oleguer. L'attaque ne donnera rien. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer avant la pause. C'est un ballon gagné. Oleguer. Xavi. Il est rentré dans la surface. Il lâche une frappe. C'est dégagé. Il reprend le ballon maintenant. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. C'est chamboulant. Encore une occasion de but gâché.
Et il a grillé les défenseurs avec un tel effort qu'il n'a pas pu redresser sa frappe. Bonne maîtrise défensive. Il y aura une minute d'arrêt de jeu pour Gabriel Milito. Et Henri. Il va pouvoir marquer. Oh oui! Quel but! Oh oh, il doit être heureux ce joueur. En venant du milieu, vous avez vu, il a fait un décalage devant. Aucun défenseur ne l'a pris au marquage. Il a pu se retrouver seul et marquer le but. Est-ce que ce sera suffisant pour l'emporter ? À mon avis, il n'y aura plus de but. Il lui a piqué le ballon. Oh, que ça va partir vite. Il lui faut un espace pour cadrer. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. C'est déjà la pause. Je n'ai pas vu le temps passer. Désormais, les entraîneurs entrent en action. L'entraîneur peut être satisfait de voir son équipe rentrer au vestiaire avec une telle avance. Au moins, il n'aura aucune causerie à faire. 8 buts en 45 minutes. 5-3, ça c'est du score. Allez, c'est reparti, le public attend. Tant beaucoup de cette deuxième mi-temps, à vrai dire, nous aussi. L'équipe mène, l'entraîneur devait être satisfait de ses joueurs, il n'a fait aucun changement. Une information importante m'est parvenue, il semblerait qu'il va y avoir des remplacements. La balle change de propriétaire. Okay. Bon travail et bonne possession du ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Ça chauffe dans la surface. Il tente. Ce n'est pas fini. Le gardien a le jeu en main. Il peut encore avancer. C'est une erreur qui aurait pu coûter cher. Heureusement, le défenseur était là. Corner. Ballon aérien. Henri. Partir en contre, c'est toujours payant. L'entraîneur le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Désormais, il faut contrer. Le duel est remporté, c'est bien. Xavi.
Attention, c'est parti très vite. Il doit la mettre au fond. Il va peut-être la prendre. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. Et heureusement qu'ils ont deux buts d'avance. Hein, parce qu'à force de tirer dans les tribunes, ils vont blesser un spectateur. Oh, il y a un bon coup à jouer. Il va pouvoir marquer. La frappe est décochée. C'était presque au fond des filets. Alors, c'est vraiment un superbe exploit individuel. Et ça aurait pu être un but merveilleux. Il a complètement dévissé à la sortie. Et il marque. Oh là là, un écart de 3 buts, c'est vraiment important. Vous avez vu Christian, il n'a que le dribble long qui te permet de éliminer plusieurs joueurs. Et en réussissant celui-là, il a surpris l'adversaire, ses coéquipiers et le gardien avant de marquer ce but. Il porte son total à 5 buts, c'est d'ores et déjà exceptionnel. Il peut finir en tête du classement des buteurs. Toujours la possession du ballon. Il veut marquer. Aucune difficulté pour le goal. Nouvelle occasion de centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ballon repoussé des points, corner. Il passe sous le nez du gardien. Il est sorti du jeu. Encore une occasion de centrer. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Une nouvelle occasion et peut-être cette fois un but à la clé. Il envoie au milieu de la surface. Encore une belle occasion. Il prend sa chance. Eto, Keita. Bien défendu, le ballon est récupéré. Il a fait ce qu'il fallait faire. Xavi. Oleguer. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Ils reprennent le ballon. Il tire. Tranquille pour le gardien. Est-ce qu'il peut frapper? Cette attaque ne donnera rien. Henri. Xavi. Keita. Ils repartent de l'avant. C'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Le ballon est toujours pour eux. Nouvelle occasion de centrer.
Bien joué, ça peut faire un contre. On joue depuis une heure. Ce contre peut amener très loin. Encore une belle occasion. Quelle belle occasion! Il fallait la boxer des points. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. Joli dédoublement. Encore une occasion de centrer. Il peut marquer. Il peut frapper. C'est bien défendu, le danger est repoussé. C'est un ballon gagné. Henri. Le duel est remporté, c'est bien. Ils peuvent construire quelque chose. Il doit trouver une solution. Le goal a dégagé le ballon. Corner. Il tire au premier poteau. Bon blocage par le défenseur. Et oui, oui, oui. Bien joué. L'écart est suffisamment important. Maintenant, il faut faire tourner le ballon. Et avec ce genre de joueur, quand tu es défenseur, si tu n'attaches pas le pied gauche avant le match, tu sais qu'il va te faire des misères. Il est vraiment en grande forme en ce moment. C'est sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi qu'on ait vu. Oleguer. Xavi. Oleguer. Nouvelle occasion de centrer. Balle au pied, c'est toujours efficace, il remonte le terrain. Oui, il a marqué. Et regardez la joie sur son visage, qu'est-ce que c'est sympa. Je ne sais pas s'il a marqué du pied droit ou du tibia, mais en tout cas, c'est plutôt efficace. Prend le ballon. Il faut qu'il marque ici. La frappe est décochée. Encore une belle occasion. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Iniesta. Il y a trop d'hésitation dans ce jeu, ils ont le ballon mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter. C'est un bon travail défensif. Encore une occasion de centrer. Ça peut passer ici. La menace est écartée. Il a dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. C'est trop chaud pour le gardien. À quelques centimètres près, c'était bon.
Henri. Bien joué de la part du défenseur. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Nouvelle occasion de centrer. Il est vraiment très loin. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Quel tir! Bien tenté, mais sort du cadre. Ouais, c'est mal défendu, il faut monter plutôt sur le porteur du ballon. Sinon, tu laisses l'espace et le joueur, il peut frapper. Presque 75 minutes écoulées. Oleguer. Bien vu. Il reprend le ballon. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Iniesta. Marquez. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Arrêt du gardien. Henri, quelle technique individuelle. C'est un as dans la conservation du ballon. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Keita. Moreto. Ils gardent la maîtrise du jeu et poursuivent leur attaque. Incroyable, certains spectateurs quittent déjà le stade. Ils ne supportent pas cette humiliation suprême. Ils peuvent frapper. C'est bien appuyé, mais pas assez cadré. Je crois que c'est pas de sa faute sur ce coup-là. C'est le gardien qui a fait la différence pour moi. C'est leur deuxième remplacement de la partie. Vu le changement, la question ne se pose même pas. Ils vont tout faire pour défendre le résultat. Partir en contre, c'est toujours payant. Encore une belle occasion. Avec un petit... Une belle occasion. C'est trop, mais pas de beaucoup. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Henri. Nouvelle occasion de centrer. Que va-t-il faire? Ils peuvent construire quelque chose. Il est dans la surface. Il tente sa chance. Le ballon est détourné. Corner. Chandelle. Duel remporté par le défenseur. Henri. Oh, que ça peut être dangereux sur ce compte. Il
Ils ont toujours le ballon, c'est vraiment bien joué. Gabriel Milito. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais ils circulent bien, ça peut suffire pour marquer un but. Gabriel Milito. Oleguer. Keita. Le ballon est encore en jeu. Le gardien l'a détourné en corner. En plein cœur de la surface. Mauvaise relance. Attention le défenseur, il faut revenir. Que va-t-il faire? Le tir est décoché. Encore une belle occasion. Il doit trouver une solution. Face à face avec le gardien. Mais oui, c'est au fond, c'est absolument splendide. Attends, non, il est hors jeu, dit l'arbitre. L'arbitre l'a jugé hors jeu et le but est refusé. Même si l'arbitre du centre est un petit peu en retard, le hors-jeu était vraiment évident. Heureusement qu'il ne s'est pas claqué en fêtant son but. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est hors jeu. Xavi. Keita. Pour Oleguer. Keita. Le ballon passe au-dessus, il faut viser le cadre. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément, il a voulu battre le gardien. Mais il n'a quand même pas trop cadré son tir. Le compte à rebours continue. Ils sont à deux pas de la victoire. Eto. Sur 15 mètres, il est imbattable. Allez. Bonne action, le ballon est récupéré. On se compte, il me semble bien mené. Attention, il est passé dans la surface de réparation. Le ballon est détourné, corner. Corner au premier poteau. Il est tout près des buts. Jolie frappe, mais directement sur le gardien. Xavi. Henri. Auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Ils peuvent construire quelque chose. Iniesta. Le défenseur était là, il a pu dévier. Le ballon est travaillé vers le but. Le ballon est intercepté. Bien défendu. Partir en contre, c'est toujours payant. Nouvelle occasion de centrer. Va-t-il frapper? Directement dans les gants du portier. Est-ce qu'il peut frapper? Il décoche un tir. Belle tentative, dommage, mais elle n'est pas assez précise. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel.
Encore une belle occasion. C'est dégagé. Ils sont champions. Dans quelques instants, ils vont brandir la coupe. La campagne a été longue et difficile, mais je suis sûr que les joueurs ont déjà oublié les sacrifices et les moments de doute. Ils savourent pleinement cette consécration. C'est vraiment sympa d'assister à ce moment historique. Ils sont champions. C'est une image que je garderai dans ma mémoire. Quelle fabuleuse rencontre pour finir. Comme toute la saison, il aura fallu batailler très dur. Et c'est cette mentalité qui les a amenés là où ils sont en ce moment. C'est une équipe de Warriors. Il suffit de regarder les sourires et les pas de danse pour comprendre combien ce titre était important pour eux et les supporters. Ce titre, il appartient à tous.